Allez les amis, le Street Triple RS. Là c'est le premier modèle. Hein. Non. Moi j'ai eu la première qui m'ont sorti en 2007. D'accord. C'est pas rond, hein. Moi j'ai jamais piloté de triple de ma vie, c'est la première fois. Ah, bah, c'est une bonne. Ouais, bon, on va voir. Alors déjà, position, bon elle est confortable, même si on a forcément sa roadster assez petit. Si on a un petit peu les jambes en arrière, je suis porteur de bottes, et ben ça va pas du tout à piloter avec des bottes, encore une fois. Mais bon, ça va le faire. Alors la dernière fois, j'étais venu chez Triumph pour essayer le Tiger 900. Cette fois-ci, j'essaye le Street Triple en sa version Full RS. Donc je vais vous en parler un petit peu par la suite. On va s'arrêter comme d'habitude, vous savez mon mode de fonctionnement. C'est un essai à la façon Boss Off-Road. Je vous donne mes impressions, ce sont les miennes. Merci de les respecter. C'est mon essai et je le partage avec vous pour ceux qui éventuellement voudraient passer le cap de l'achat. Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça me change mon GS au niveau position. Ça change aussi du 900 Tiger que j'avais essayé la dernière fois. Là, on est légèrement sur l'avant, mais voilà, on a les avant-bras pas trop appuyés encore sur le guidon, ça va. Alors il y a shifter, up and down aussi. Alors on va en profiter. Marche très bien. Ouais, par contre, vous voyez, j'ai tellement pas l'habitude de cette position que finalement bah, j'ai un peu mal au, vous savez, au niveau des hanches là, ou des cuisses. Tiens, on va tester tout de suite. Bon, la moto est chaude, elle a été essayée moult fois, vous allez voir, elle est sale. Alors, on va essayer, je vais mettre 4e à 50 et je vais accélérer. Ouais, ça pousse les amis, hein. On arrive vite à 100, je vais me calmer. Par contre, j'ai déjà remarqué un petit truc, c'est que dès qu'on monte un petit peu en vitesse, ça vibre un peu au niveau du guidon et du coup les rétros vibrent aussi parce que ce sont des, vous avez vu, des rétros en bout de guidon. Voilà, là j'étais à 100 heures, vous voyez, ça vibrait un peu. Bon, c'est pas catastrophique non plus. Bon, la position, franchement, pour un roadster, non, bien. Voilà, je rappelle 1m83, je choisis du bon 44,5, j'ai des grosses bottes et bon, ça le fait, hein. Franchement ça le fait. J'ai le dos relativement droit, j'ai juste les jambes sur les côtés, vous n'allez pas le voir, mais les jambes vraiment, vraiment repliées. La vitesse, il faut aller la chercher, mais c'est pas, ça va, en s'habituant, ça le fait. Le frein arrière, il se trouve facilement. Mes jambes épousent super bien le réservoir en dessous. Il a une forme profilée qui, bah, ma foi, voilà, on est super bien installé. Top, franchement, position top. Une fois qu'on est à 5-10 minutes de pilotage, on a moulé notre corps et c'est top. Bon, on va pas prendre trop la confiance non plus. Alors, il y a une ligne droite que je connais. Oh là, les amis, c'est sympa. Je commence, vous savez, à m'habituer un peu à ces motos pousse au crime, comme on les appelle. Vraiment un rapport poids-puissance intéressant sur cette moto qui, rappelons-le, reste légère et du coup ça renvoie du steak, quoi. Alors, on y retourne. Vous savez que j'ai pas l'habitude de rouler comme ça, hein. C'est pas mon style, mais bon, là c'est pour tester quand même un peu, hein. Sinon je roule à 50, je respecte les vitesses et voilà, pour avoir c'est un essai qui vaut pas la peine. Il faut aussi que je teste un peu, quoi. Alors, à partir d'ici, la petite bulle ici du phare, hein, elle protège plus, hein. Elle protège jusque là, vous voyez ma main à peu près. Donc bas du casque.
Le point mort se trouve super bien. Et la béquille aussi. Allez, je me suis arrêté ici. Je me mets un petit peu à l'aise. Et on fait le tour de la moto. Je vous présente le Triumph Street Triple 765 RS de 2020. Dernière mouture, calibre 7,65. Hey, hey. Un petit missile pour sa cylindrée, c'est pas mal. Justement, à propos de sa cylindrée, donc on sait que c'est un 3 cylindres en ligne, il cube 765, donc centimètres cubes, il est aux normes Euro 5. La puissance est de 123 chevaux, délivré à 11 750 tours, si je ne me trompe pas. Le couple, lui, est de 79 Nm, alors c'est pas non plus énorme, hein. Ça reste un 7,5 non plus. L'injection, donc refroidissement liquide et double arbre à cam en tête, comme ça se fait beaucoup maintenant chez Triumph. La vitesse maxi, elle est donnée à 230, c'est dans la moyenne pour la cylindrée. 17,4 litres pour le réservoir, vous avez vu, hein, il est vraiment profilé. Je vous montre un peu la face avant. La conso moyenne, elle est donnée à 5,4 litres et 300 km d'autonomie, mais bon, franchement, ça c'est à vérifier parce que bon, j'ai l'impression que ça consomme un peu plus que 5,4 litres. Le châssis, c'est un cadre longeron double en alu. La partie arrière moulée, on voit la soudure exactement ici. Donc la partie avant soudée à la partie arrière. Double bras oscillant des deux côtés. On a le premier ce côté-là et on a l'autre de ce côté-là. La selle 825 mm. Et le poids, c'est là, attention, 166 kg à sec. 166 kg, vous avez bien entendu, pour 123 chevaux. La transmission, c'est une boîtier rapport avec shifter up and down, que je vous montre. Il est ici. Le shifter up and down est de série hein, sur la RS. Et transmission secondaire par chaîne. Ça, vous l'avez deviné. Alors, on va passer au train avant. En fourche inversée, que voici. Assez joli. Showa, diamètre 41. Elle a un débattement de 115 mm, réglable en compression, détente et pré-contrainte, comme le train arrière finalement. Tout ça c'est réglable. Le frein, c'est un double disque de diamètre 310, bon ça freine, ça a du mordant, j'ai pu vraiment le tester. Étrier radio Brembo, monobloc, c'est des M50, et l'ABS est déconnectable bien sûr. Les pneus, c'est du Pirelli Diablo Super Corsa SP, des pneus taillés pour la piste hein, quelque part. L'avant, c'est du 120-70-17. Passons au train arrière. Alors, on a le combiné unique ici, à réservoir Hollins, STX40, débattement de 131 mm. Un disque diamètre 220 mm, un étrier, un piston, Brembo, et l'ABS est déconnectable également. Et l'arrière, le pneu fait du 180-55-17. Les couleurs existent en noir métal et en argent mat. Le prix, on est sur du 11 900 €. Et de série, on a le sabot moteur, on en a parlé, le shifter up and down, et on a de série l'écran TFT qui pour moi n'est pas assez lisible et écrit trop petit. Quel que soit le mode qu'on leur choisit, parce qu'on peut choisir plusieurs modes d'affichage, plusieurs couleurs de fond. Vous voyez, c'est un peu caché là-bas, un peu loin là, de la moto. Vous voyez, c'est pas très très... Voilà, ils auraient pu optimiser ça, je pense, un petit peu. C'est un petit point négatif. La face avant est relativement modifiée, elle a gardé quand même sa signature originelle pour moi. Les optiques sont davantage courbées, hein, moins ronds. C'est beau, moi j'aime bien cet avant, je trouve ça évolue, c'est bien. Les feux diurnes dessinent un peu des paupières au-dessus comme ça, là. Non, c'est sympa. Après on aime ou on n'aime pas. Hein. Au-dessus, bon, la casquette, elle n'a pas vraiment évolué. Contre les écopes de radiateur sont un peu plus acérées. Le tableau de bord, il est inclinable, vous voyez, on peut l'incliner de haut en bas. Alors revenons au mode de conduite, directement pilotable par le commodo gauche. Les modes de conduite, donc on a Rain, qui bride la moto à 100 chevaux. On a le mode Road, normal, standard, hein. Le mode Sport, le mode Track et le mode User. Ensuite, on a le Traction Control qui est déconnectable. L'ABS, par contre, n'est pas déconnectable. Donc ça peut poser peut-être des soucis sur circuit. L'écran donne une connectivité au smartphone avec l'application My Triumph. Donc on peut utiliser GPS, les musiques, recevoir les appels. Tout ça, ce sera directement réglable, gérable avec le Komodo. Même une GoPro pourra être gérée directement. Les côtés, bon, pour moi, n'ont pas subi beaucoup de modifications. Le pot est situé assez bas. Alors l'arrière est davantage ajouré, je trouve, que la version précédente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tiens, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui souhaitent s'abonner à la chaîne, allez-y, hein, ça me fera plaisir. Il y aura encore d'autres essais sur la chaîne, d'autres voyages, d'autres trips, encore d'autres lieux à découvrir, etc. Voilà, je fais un peu de pub. C'est pas trop mon habitude, mais j'en profite là, quand on soit au calme, pour en faire un peu.
Triumph fait découvrir sa première Street Triple en 2007. Ce fut directement un vrai succès commercial pour ce 3 cylindres qui renaissait. Une moto légère avec un style fou, deux gros phares tout ronds et un moteur qui se voulait déjà vigoureux. Près de 100 000 exemplaires écoulés plus tard, voici venu 2020 et la quatrième génération, estampillée Euro 5 de ce Roadster en version RS, le plus haut de gamme. Il existe une version R, une version S, 660 cm3, pour les permis à deux. Cette version RS, qui se vend le plus en France, 70% des ventes, est la seule à bénéficier des toutes dernières avancées de la marque. Voici venu le moment de vous donner mes ressentis concernant cette moto. La prise en main, aisée, les rétroviseurs sont bien situés et relativement larges. L'ergonomie est naturelle, on est bien assis, la selle est juste confortable et assez étroite sans plus. Les suspensions, c'est du tout bon, tout reste réglable, on est dans le haut de gamme. Parfois on peut les trouver un peu fermes, mais je n'ai constaté aucun rebond, ça reste doux. La position de conduite, je l'ai trouvée assez correcte, les jambes sont repliées de façon normale, légèrement vers l'arrière, mais ça reste confortable dans l'ensemble. Comme les 1 Roadster en règle générale. Le guidon se manie hyper bien, les avant-bras sont légèrement en appui dessus, mais ça reste convenable. Niveau protection, on peut déplorer l'absence de saut de vent. La casquette du phare protège relativement bien jusqu'à 110, mais au-delà, attention à l'arrachage d'épaule et de tête. On sent forcément les flux d'air dans le casque, mais ça reste correct au niveau des jambes. Le frein avant a du mordant, l'arrière beaucoup moins j'ai trouvé. Utilisé seul, on se demande parfois s'il n'y a pas un souci d'ailleurs. L'équilibre de la moto est très bon, le moteur ronronne bien. Il est rempli mais souple. Le ride-by-wire est très efficace, on a le droit à de bonnes reprises. Il reprend en quatrième sur le régime de ralenti sans problème. Dès que l'on atteint des vitesses un peu plus élevées, quelques vibrations contenues dans les poignées sont à relever. Du coup, on ne voit globalement plus rien dans les rétroviseurs, c'est à signaler quand même. Le rayon de braquage n'est pas fou. La partie cycle est juste sensationnelle, en partie grâce à la stabilité et à la qualité des suspensions de la machine. Concernant la motorisation, elle conserve quasiment la même puissance et le même couple que l'ancienne, mais avec des régimes intermédiaires plus hauts. Aux environs des 9500 tours pour le couple et 7500 tours pour la puissance. Alors, premier et deuxième rapport ont a priori été raccourcis. On le ressent au pilotage et le shifter fonctionne très bien. Franchement, les pistards se feront plaisir sur circuit. Qui plus est, avec la montre de pneumatique d'origine, qui est tout à fait adapté à cet exercice. Seul bémol, c'est l'ABS. Dans ce cas, à vous de trouver l'emplacement du fusible. Pour résumer, cette moto a une belle personnalité, on entend bien la boîte à air, le moteur est vigoureux et souple, il monte bien en régime, franchement, il a du caractère. Et l'échappement chante très très bien.